Et coucou, je vous retrouve pour la vidéo cadeau de Noël édition 2020. Alors habituellement je dis j'ai été très gâtée, mais là j'ai envie de vous dire j'ai été très gâtée. Cette année j'ai passé Noël chez ma maman, nous étions 5, ma maman, mon beau-père, ma fille et Eric. Je vais donc vous présenter tout ça et je peux vous dire que j'ai hâte parce que ça fait quoi, 3 jours ? Noël, c'était il y a le 24, il y a 3 jours. Il y a des choses que j'ai envie d'utiliser, mais je me disais non, d'abord la vidéo. Donc là, au moins... Alors, premier cadeau que j'ai reçu de ma fille, donc c'est Adidas. J'avais dû peut-être en parler devant elle, et je crois que c'était, j'avais montré des chaussures qui me plaisaient, et c'était des dupes. Enfin, c'était pas les vrais. Évidemment, elle a imprimé ça dans sa tête, et elle m'a offert des baskets Adidas, avec les 3 bandes bleu, blanc, rouge... Elles sont magnifiques, taille 36, donc elles taillent quand même grand, ce qui est très bien parce que moi je fais entre le 36 et le 37. Et c'est le genre de basket que tu peux mettre avec une robe longue, avec une jupe longue, avec différents jeans. J'ai hâte de les porter les petites. La luminosité est peut-être particulière parce que là c'est la tempête, le plafond est très bas. Toujours cadeau de ma fille, c'est de la déco. Elle a eu ça chez Maison du Monde, c'est une senteur, hein. Bouquet, fleurs séchées, qu'est-ce que c'est beau, c'est même pas beau, c'est magnifique, la senteur c'est fleurs, non, cœur de fleurs. Et ce qui est amusant, juste regardez le fond de la boîte, j'ai reçu un cadeau que je vais vous montrer juste après, donc ce n'est pas la même personne, et il y a vraiment un truc, je trouve, dans le graphisme qui est similaire. Là, nous avons dedans le petit flacon avec la senteur. Et le magnifique pot avec les fleurs, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait vraiment nature morte, c'est épuré, j'adore. Et nous avons les petites brindilles de façon à mettre le parfum. Bah alors bébé. Et ça c'est ce qui se trouve dans le carton. Oh là là, qu'est-ce que ça c'est. Je vous montre tout de suite ce que je vous disais qui me faisait penser. Un cadeau de ma maman, je suis très contente parce que bah, je voulais justement une petite théière. Et on est d'accord, il y a quelque chose quand même un peu... Hein? Alors, l'anse est en bois, les coloris, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, tu rien que de le mettre comme ça en déco. Ce qui est bien, c'est que je n'avais pas pour mettre justement soit ton thé en vrac. Moi, je prends plutôt des infusions, mais j'avais des infusions en vrac et je ne pouvais pas les utiliser. C'est super. Elle l'a eu chez... Ah oui, boutique ambiance et style. Ensuite, et ça fait partie des choses que j'avais hâte d'utiliser, je ne sais pas si ça focus, bref... Un ensemble de soins visage, et comme je lui ai dit, écoute, si tu veux me faire plaisir, tu me prends des soins. J'adore ça, et notamment, là, c'est le sérum que je connais, c'est le solution anti-tâche Vino Perfect, qui est super bien. Et dedans, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis le Vino Perfect Essence Concentrée Éclat, qui va venir préparer et accueillir, justement, donc tu mets ça en tapotant un petit peu comme un tonique, donc tu le mets partout sauf autour de ton contour des yeux, et ton sérum, du coup, va être beaucoup mieux absorbé. Il y a également le format, donc crème, aussi de la même gamme, Vino Perfect anti-tâche. Donc si ça me convient, je pense que je le rachèterai. La crème, toujours de la même marque, c'est le Vino Source Crème SOS Hydratation Intense, c'est parfait, que je vais pouvoir mettre le matin et le soir. Moi ça me gêne pas quand c'est très très riche, parce que ma peau a besoin d'hydratation tout le temps, sinon elle tiraille. Après bon, le côté le soir, c'est que ça peut effectivement un petit peu... se mettre sur ta frange, mais bon, je m'en fous, je sens que ça lui fait vraiment du bien. Je ne connais pas, donc j'ai hâte de tester. Oh là là, les variations de couleurs. C'est l'après-midi, hein, mais il fait nuit. Ensuite, mon chéri, donc il m'avait commandé quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est en rupture de stock. Un nouveau téléphone portable, c'est le nouveau Samsung 20 quelque chose, enfin, qui est super bien et qui est le top au niveau des photos, parce que le mien, pareil, c'est pas du luxe, je ne peux plus faire de photos avec la caméra, la frontale ça va, mais l'autre caméra c'est pas possible. Et notamment hier j'étais dégoûtée, il y avait une photo à faire, une rue, une perspective comme ça, la lune, une ambiance un petit peu mystique, et bah est tombé quoi, tout était flou. Donc en plus j'ai plein de photos à faire, notamment sur Insta, et ça va pas être du luxe, mais pour le coup c'est toujours en rupture de stock. Il m'a donc acheté un petit cadeau, il m'a dit bon, que t'es quelque chose quand même à ouvrir de ma part le soir de Noël. Je fais la collection de ces figurines que je mets d'ailleurs sur mon bureau. Là c'est Harley Quinn, je trouve qu'elles sont super bien faites.
J'ai également celle-ci, la Catwoman. Et je voulais Wonder Woman, mais il en restait plus qu'une et trop tard. Trop tard, donc il m'a pris Wonder Woman version pop de Noël. Alors moi je suis pas très pop, mais c'est vrai qu'elle est, elle est quand même mignonne avec sa combinaison de Noël. Elle a un lasso comme ça. Les pop, je crois qu'il faut les garder, il faut les laisser comme ça. Mais ça m'a quand même fait plaisir. Je suis un peu deg, je sens que la lumière va être dégueu. Ensuite, j'ai eu cette ravissante cage noire. Je vais enlever ça autour pour qu'on se rende mieux compte. Avec à l'intérieur un diffuseur et une bougie. On a pareil, hein, les petites bandelettes pour mettre le parfum. Il me semble que c'est smoke. Enfin bref, c'est fumé l'odeur et ça sent. C'est masculin, c'est une ambiance hyper feutrée, hyper chaleureuse, j'adore. Et l'objet en lui-même est magnifique. Ça, c'était le cadeau de table. Moi, j'ai eu cet ensemble de gel douche avec des senteurs hyper sympas. Barbe à papa, macaron framboise, bref, très gourmand. Et ça vient de chez Nocibé, c'est la collection Les Délices. Est-ce que vous entendez la pluie? Je sais pas ce que j'ai, mes cheveux sont hyper électriques, je ne peux pas, ils se plaquent depuis que j'utilise une nouvelle gamme de shampoing. Vous n'êtes pas sans savoir que ma voiture ne fonctionnait plus. Donc vous étiez beaucoup à me dire, mais Caro, ta voiture, alors ta voiture, parce que vous étiez restée, elle était chez le garagiste et ça coûtait très très cher de faire les réparations. Sachant que c'était un véhicule qui a 14 ans. Et les réparations allaient revenir beaucoup plus cher que si je l'avais vendu. Bref, tout ça pour vous dire que c'est de la graine maintenant. Vous entendez? Je disais donc que papa Noël, ma famille qui vit à Saint-Martin, et bien voilà, on va payer par quatre chemins. J'ai une nouvelle voiture. Mon bébé, je reviens toujours pas. Ça me fait... je pouvais plus, vraiment, je ne pouvais plus rouler. Je piquais celle d'Eric tout le temps, donc c'est chiant. Ou alors même à ma maman, bon, avec le Covid, laisse tomber. Donc là, j'ai enfin la possibilité de... Et je suis tellement à fond dedans avec ma voiture, ça fait 5 jours que je l'ai. Donc j'ai pas forcément des choses à aller faire, mais je la prends et je me barre avec et tout. Et elle est trop, trop bien. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit concernant mes cadeaux de Noël. Je sais, j'ai conscience que j'étais hyper gâtée. J'espère que de votre côté, vous avez pu passer un moment agréable sur le 24, sur le 25 en famille. Et vous avez été également gâtée. Je vous fais un énorme bisou et on se retrouve très vite pour un vlog demain ou après-demain. Je vous embrasse. Salut.